Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va juste faire la dernière, puisqu'on va en faire seulement 4. J'ai coupé 10 et demi sur 16 et demi, 2, et une pochette de 5 cm plus 1 sur 16,8 plus 1 plus 1. Donc, on va coller ça ici.
Et voilà, c'est fini pour cette page. On attaque la deuxième page tout de suite. Voilà. Alors, pour celle-ci, comme il me restait une page et que je n'allais pas jeter, qui n'allait pas me servir dans d'autres albums, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé je l'ai coupé à 12 cm et 2 mm, d'accord? Alors, je l'ai retourné et à l'intérieur, j'ai coupé 1 cm. Non, j'ai pas coupé. J'ai retourné le 1 cm à l'intérieur et je l'ai collé. Comme ça me fait une petite pochette. Et le 1 cm qui me reste, je vais tout simplement le coller ici. Mais avant ça, alors, je n'arrivais pas à me décider si j'allais coller dessus. Voilà, on va le coller de ce côté-là. Donc, on va faire ça. Et on colle. Et j'avais coupé un que je vais mettre ici 1,5 cm sur 16,5. Et bon, je coupe d'abord mes petits. Voilà, comme ça. Je dois le faire maintenant parce que je dois mettre un système de fermeture. D'accord? Voilà. Voilà. J'ai pris. Voilà, je vais couper là. Voilà, de là à là, je mesure ce que j'ai et je fais, j'ai 5 cm sur 2 cm, c'est-à-dire 10 cm sur 11 cm,
Alors, 11 cm. On plie les 5 au milieu et on laisse 1 cm pour coller. Tout simplement. D'accord? Ne pas plier au plioir pour ne pas casser le, pour laisser de l'aisance. Essayez de placer au milieu. C'est pas obligatoire le milieu, vous pouvez le faire ici, là, mais il faut juste calculer votre carte. Donc pour moi, c'est au milieu. Donc, alors, je prends un petit morceau, là, il fait 1 cm et 2 mm, je pense. C'est un peu trop grand. Je vais retirer un petit peu. 1 cm et 2 mm. Et je vais le rentrer ici. Le plier. Replier. S'en serrer et couper. D'accord. Voilà. Et je mets ma colle. Voilà, je mets.
Voilà, ça me ferme ma page sans qu'on voit trop le mécanisme. Alors, ça et ça, je ne mate pas maintenant parce que je n'ai qu'une seule feuille, d'accord? Bon, c'est vrai que j'ai deux feuilles là, mais je dois essayer de marier pour la dernière page et je ne mate ici que lorsque j'aurai fait l'autre. Donc voilà, pour ça, on a fini cette page. Bye bye et à la prochaine pour la dernière, c'est-à-dire la page de la couverture. Et c'est tout. Donc, on n'a pas encore rajouté quelques petits rabats ici. Vous voyez, nos anneaux s'ouvrent très très bien. Ça glisse très très bien. Voilà. Et voilà. Je remets tout ça de l'autre côté. Vous voyez, ça bouge très très bien dans... On est juste. La dernière page et c'est bon. Et on va attaquer la couverture. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.